Et ben voilà, on est à environ 10 minutes du départ de mon premier road trip en scooter. Alors, il y a un peu de matériel. Et donc, si on regarde, vous avez le casque, un tout petit drone ici, qui va me permettre de faire des images dans les gorges du Guiers-Morts. Vous avez des quoi là, enfin, c'est par ici, hein, vous voyez à peu près là, voilà. C'est pas facile de se filmer avec une caméra. Vous avez les batteries nomades qui vont permettre de faire d'avoir un peu d'autonomie et les chaussures. Si on regarde un peu ici, eh ben, nous avons le matériel spécifique, carte de la Chartreuse évidemment. J'ai téléchargé les cartes sur mon GPS. Un petit GPS nomade qui va permettre d'enregistrer les données kilométriques, un pied, une perche, et puis évidemment un peu d'eau, un sac, un peu quoi manger. Je compte environ mettre à peu près 4 heures pour faire un petit tour. En partant de Saint-Étienne-de-Crossey, en remontant jusqu'à Saint-Laurent-du-Pont et en allant faire les gorges jusqu'à Saint-Pierre-Chartreuse. J'ai une autonomie de 150 km, donc le but il est là, c'est-à-dire eh bien de faire avec l'autonomie d'un petit scooter 50 cm3 qui a quand même un top caisse. Et puis je ne sais pas si vous avez regardé, mais voilà, la spécificité elle est ici. On la voit très bien. Le parcours va être le plus possible eh bien enregistré par une caméra GoPro. C'est une caméra GoPro Hero 1, elle est déjà assez ancienne et pourtant elle marche plutôt pas mal. Donc pas raison d'en changer, voilà. Le top case a été un peu plus personnalisé. Vous avez vu qu'avec les autocollants montagne, bien maintenant il y a la coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis les deux départements qui m'intéressent, le 29 et le 38, puisque c'est là qu'on s'est marié avec ma femme. Et c'est aussi là que je suis né. À très bientôt.